m'excuse. Personnellement, je vois pas ce que je fais de mal. J'agresse pas personne. Je fais mes affaires sans déranger. D'après toi, t'as pas dérangé la dame qui était dans la salle de bain? C'était pas supposé te défoncer. Puis si toi, on te surveillait dans ton intimité sans que tu le saches, comment tu te sentirais? Je sais pas. L'autre question, c'est de savoir si c'est ça le genre de vie sexuelle que t'as envie d'avoir pour le restant de tes jours. Attention à la porte! OK, allez-y! C'est juste au fond, là, dans le salon. Au fond! Juste ici. Je me regarde dans le miroir, on dirait que je vois juste ça. Ben, c'est certain que si c'est là que tu regardes, bouge pas, s'il te plaît. Voilà. Je suis plus capable de me voir les poches en dessous des yeux. Ben, compte sur moi, tu les verras plus. C'est là que je vais couper. Un petit resserrement, là, juste pour dire. C'est toi qui décides. Faut que tu sois certaine de ton coup, parce que une fois que je vais les avoir enlevés, je pourrai pas les remettre. Attends une minute là, je vais te perdre là parce que là le loader est à côté puis je t'entends plus. Attends une minute là, je t'en viens. Là, il y a 10 lampes de 0,3 encore à charger puis, puis ça presse. Dépêche-toi. Ah, excuse-moi là, c'est parce que... Ouais, si tu disais... Hein? Non, c'est pas ça qui était convenu. Non. Non, moi mes camions étaient là un matin, mais y'a rien qui a pu être fait parce que les emporteurs étaient encore sur le terrain. Ah non, mais c'est pas mon problème. Ben tiens-moi au courant là. Là je te laisse, là j'ai quelqu'un sur l'autre ligne. Ok, salut. Là. Allô Matoun? Ouais. Non, ça me dérange pas là. Calvaire, on en met donc bien du clair dans cette piscine là. Les costumes de bain peuvent bien déteindre. Faut que je passe en concession automobile, ben après ça je vais y aller. Avant, je prenais du small, puis maintenant, ça me prend du médium. Non, dans cette ligne-là, là, le médium, c'est l'ancien small. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça, là? Ça a l'air fait pour toi, ça. Non, sérieusement, ça me grossit pas. Hé, voyons donc. Regarde-toi. Les mecs comme un clou, tu prendrais 20 livres, ça paraîtrait même pas. Arrête donc. Ah. Ça, j'aime pas ça, finalement. Non. Non. Ça, tu prends ça, là, pareil, tu vas aimer ça à un moment donné. Mais c'est pas parce que la boutique t'appartient qu'il faut que je prenne n'importe quoi. J'aime pas ça. C'est tout. L'opération, c'est une heure et demie, deux heures. Excuse-moi. Oui? Calme-toi une seconde. Hein? Ah.
Là, pour l'instant, on peut rien faire. J'ai une opération cet après-midi. Oui, oui, je sais que c'est très important. OK, vital même, dossier. Oui, oui, je comprends ça. Je comprends ça aussi. Oui, OK. On va regarder ça quand je vais rentrer. Ça marche? OK, bye-bye. Merci. Écoutez, le problème l'année passée, c'est qu'il travaillait pas dans les coins. Vous trouvez ça, vous, monsieur? Certain, au prix qu'on le paye, il pourra se forcer le cul. Moi, être payé à ce prix-là, là, ça passerait par là. Problème, c'est... Monsieur, 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 je vous arrête une petite minute, là. Vous dites au prix qu'on le paye, qu'on le paye. C'est-tu vous qui le payez? Ça, si je vous donnais $1 million par année, ça passerait par là? Je parie que vous savez même pas patiner! Ça répond-tu à votre question? Non, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est... Monsieur, j'ai été arbitre dans la Ligue nationale et c'est pas comme ça que ça marche. C'est facile de critiquer quand on est effouaré dans un fauteuil, OK? Merci, bébé. C'est quoi ça? Monsieur, c'est tout le temps qu'on a. Il faut passer au bulletin de nouvelles. On continue avec vos appels tout de suite après. T'y vas pas un peu raide? Hey, c'est des cotes d'écoute qu'on veut. On veut de la cote d'écoute. OK? Je pense que la preuve va démontrer que le défendeur maltraitait ses deux enfants et sa femme. Mais c'est de la style bullshit, ça! Où c'est que vous êtes allé chercher ça? À l'ordre, s'il vous plaît. C'est quoi, là? C'est juste pour faire plus d'argent? Maître Ouellet, voulez-vous calmer votre client? Mais dis quelque chose, toi! Tu sais que j'ai jamais touché la petite. Monsieur, je vais vous demander de quitter la salle si vous continuez. Je pense qu'on vient de marquer des points. Je les aime. Tiens, Nicole. C'est ça que tu devrais te mettre avant de te coucher. C'est Christine. C'est une crème qui vient de Provence. Complètement bio-naturelle. Oh! C'est pas donné? T'en as pas une autre qui peut voyager en première classe? La qualité, ça se paye, hein? Moi, je la prends, en tout cas. Moi aussi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je me fais poser des ongles, je me sens toujours coupable d'avoir fait dégriffer mon chat. Hein? Je pourrais pas te dire, j'ai jamais eu de chat. Je suis tellement déçue de mes pieds ces temps-ci. Donne-leur une chance. Mets-toi à leur place. Passer 4 mois par année enfermé dans des bottes d'hiver, de quoi tu penses que t'aurais l'air? Oh, je vous ai pas dit ça. J'ai mon rendez-vous avec Benoît demain pour mon opération. Les seins? Non, les poches en dessous des yeux. Les seins, ça sera pour plus tard. T'es pas obligée de faire tout ce que Pascal te dit. Je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il aime ça, gros. Ça doit être parce qu'il y a des gros mecs. Bon, ben on a fait un petit peu le tour du problème pour aujourd'hui. Y a-tu quelque chose que tu voudrais me dire? Oui. J'aime pas tellement le mot problème. Il n'y a rien de mal à regarder. Ça m'excite, c'est tout. Je peux-tu te poser une question? Si tu peux, tu regardes toi aussi, non? Qu'est-ce que c'est? C'est des affaires que j'ai filmées avec ma petite caméra. Tu vas voir, il n'y a rien de mal à regarder des petites culottes. L'été, il y a pas mal plus de femmes qu'on pense qui n'en portent pas. Tu regarderas. As-tu un DVD? Good. Salut Benoît, comment ça va? Très bien, merci. Je peux vous aider si vous voulez. Merci, mais pas besoin. Wow, 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 wow! Peux-tu arrêter une seconde? C'est quoi ces folies-là? Regarde la couleur! Regarde,
On est allé dans le magasin. Les néons, c'est trompeur, des fois. Je m'excuse, mais on n'a pas payé ce prix-là pour finir avec cette couleur-là. Honnêtement, moi, je ne vois aucune différence. Fais comme tu veux, mais ce canapé-là reste pas ici! Camille! Yo! Y a pas de drame, là, OK? Toi, là! Quand tu veux pas comprendre! J'étais juste en train de ranger mon bac de récupération. Écoute, j'ai entendu dire que t'étais peut-être intéressé par une nouvelle voiture. Ouais, c'est dans l'air, ouais, on y pense. Faut que tu viennes me voir dans ce cas-là. Ben, il y a rien de sûr encore, là. Passe, puis on va se parler. OK. Jean-Paul? Faut que ça serve des voisins. Jean-Paul, téléphone. Justement, on voulait vous inviter à souper un de ces soirs, toi puis Daniel. Ah ben, viens, je vais y en parler. Puis, est-ce que je t'ai fait de l'effet, tantôt? Je te regardais pas vraiment, voyons. Ben voyons, tous les hommes disent ça. Écoute, Christine, je lâche tout. La job, les enfants, la femme. Puis on part tous les deux. Tu niaises, là, hein? Hey! Allô, ma belle? Oh! Mm-hmm. Tu sais que moi, j'ai eu une journée de fou aujourd'hui, puis c'est bizarre, je pensais juste à une chose. Ah oui? Te remettre ça. Un petit rien pour toi. Un petit rien? Mm. Oh my God, ça a dû te coûter une fortune! T'es pas content? Oh, t'es fou! Mmh. Je suis en train de faire des passes, t'as-tu faim? Oh non, pas tout de suite. Je suis trop fatiguée. Ah, j'ai croisé Jean-Paul tantôt. Comment ça se fait qu'il sait qu'on va s'acheter un char, lui? Sais-tu combien on va économiser si on fait affaire avec lui? Ouais, je sais, non, mais il va mettre le pied dans la porte puis il va penser qu'il peut faire ce qu'il veut. Ouais, mais c'est-tu toi qui vas fournir le 10 000 de plus? Faut profiter des occasions quand elles se présentent. Prends la maison ici, c'était la même chose. Mais on n'a pas eu ce qu'on voulait non plus, hein? On a deux grandes colonnes ridicules en avant. Ouais, sauf qu'on a payé la moitié du prix à valet. Une chance qu'il y a des couples qui se divorcent. Tes enfants sont là? Non, Marie n'avait pas rentré. Michel est dans sa chambre devant l'ordinateur. Mmh. Probablement en train de faire son éducation sexuelle en regardant de la porno. Arrête donc de t'en faire. Tu devrais surveiller un peu plus. Ben, surveille-le, toi. C'est une affaire d'homme, ça. Mais vas-tu parler de porno avec lui? Ça va juste le mettre mal à l'aise. Là, tu penses qu'avec moi, il va s'ouvrir comme un livre? Ben! Marie-Ève. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Marie-Ève? Ton sac. Les nouveaux voisins sont arrivés. Ils doivent avoir eu un bon prix. T'as vois-tu, toi, vu dans une maison où quelqu'un s'est fait tuer? Ah, j'aurais peur de dormir. Ils doivent pas le savoir. Quoique, je pourrais pas dormir? Mais non, pour le meurtre. Ah, juste d'y penser, là, je commence à claquer, arrête. Ah, écoute. On va essayer de briser la routine dans la mesure où on peut. Et puis, ça peut se faire par toutes sortes de petits gestes quotidiens. T'sais. Par exemple, dans votre cas à vous, si vous venez à l'esprit d'acheter de la lingerie fine pour votre partenaire pour mettre un peu de piquant dans votre relation de couple, ben moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je vous encourage à le faire. La lingerie fine, ça te donne-tu
Les idées, hein? Mm-hmm. On ira magasiner, toi et deux. On va te trouver quelque chose de cute. Je pensais organiser un petit party avec tout le monde puis les nouveaux voisins en fin de semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas inviter Jean-Paul, j'imagine? Comme d'habitude, pourquoi pas? Ben, je sais pas, la dernière fois, tu trouvais qu'il y avait pas de classe, tu voulais pas le revoir. Oh. J'ai eu ça sur le coup. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi? Je plaide toute la journée. Ah? Mm. Je pense que tu vas gagner. Ah ouais? Uh-huh. T'as toujours envie de faire l'amour dans ce temps-là. Hey, c'est juste une joke! C'est pas drôle! C'est juste une observation, y'a rien là! Mais y'en a pour toi! Est-ce que je peux rentrer? Non! Moi, je le trouve correct. Moi aussi. Je me rappelle même plus comment était l'autre, là. Mais lui, je le trouve encore plus beau. Vous dites ça pour me faire plaisir, là. C'est à peine un quart de ton plus pâle que ce que tu voulais. Pas un quart de ton, un 16e de ton. Ben oui, ça se voit presque pas. Vous trouvez? Laisse-y le temps de prendre sa place. Oh, ça fait du bien, ça. Imagine si on pédalait pour vrai. C'était bien rendu à Québec. Hey, savez-vous qu'un homme moyen produit assez de sueur en une année pour remplir une baignoire? Ça doit être plus que moyen. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui arrive quand on arrête de suer? On crève. Déprimant. Hey, j'ai vu ton programme ce matin, c'était bon? Bon? Ouais, je suis là une fois par semaine. T'as même donné l'idée à Cathy d'acheter de la lingerie. Ah ouais? Ouais. C'est pas un peu comme mettre un diachylon sur une fracture, ça? Ouais, je peux pas commencer à faire de la thérapie à TV, hein. J'ai juste 2-3 minutes pour leur donner quelques trucs. Un coup de casse séparé, tu sais, pas une paire de petites culottes mangeables qui va le sauver. Parles-tu en connaissance de cause, toi, là? Salut, les gars. Salut. Bye. Salut. Hey, t'as vu ce qui manque ici? C'est une douche mix. T'es fou. Hey, je devrais aller manger. Il y a une belle tasse à smoke meat à côté, là. Hey, tu fous, moi, je veux pas regagner ce que je viens de perdre, là. Non, il y a quelque chose que tu comprends pas, là. C'est parce que tu oublies que nos cellules ont un encodage ancestral. Ah, ouais, en mots simples, là. Bon, si tu veux qu'il t'explique ça en termes de sportif, ça va être un petit peu long. Ah, très drôle, très drôle. Non, c'est parce qu'il y a une théorie qui dit que nos cellules se souviennent du temps où on était chasseurs. Ce qui fait que nous autres, quand on court, là, notre corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense qu'on chasse. Fait que si on mange pas tout de suite après, là, les cellules, ils font hey, y a rien pogné. Fait que, ils emmagasinent les graisses. Je suis willing pour le smoke meat dans ce cas-là. T'es pas dur à convaincre. Oui. À faire que de regarder sous la jupe de ta mère, toi. Va donc jouer dehors, à la place. Papa? Mmh. Oh. Faudrait que tu aies mon bulletin. Oh. Tu peux pas imiter ma signature comme la dernière fois? Non, tu vas pas revenir là-dessus, là. Mon Dieu. Je sens qu'il n'y a pas de cause sur le sens de l'humour. T'avais de la misère. Je te mets ça là. Charles. Quand tu vas sur Internet, là, tu fais attention, j'espère. Il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais là-dedans. Tu veux savoir si je vais voir du monde qui se font vomir? Non, ça m'intéresse pas.
c'était pas vraiment ça ma question. Je voulais juste, en fait, parler de porno. Ah, oh, ça! Hey, on voit que tu surfes pas souvent, papa. Tes culottes tombent à terre. Tiens! Fais-toi plaisir. Party chez vous en fin de semaine pour les nouveaux voisins. Faut-il apporter quelque chose? Ah, non, 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 tu connais Daniel. Il va déjà y avoir trop de bouffe comme c'est là, fait que. Oh. Respire ça. L'odeur du cuir neuf, c'est comme une drogue. S'il n'y avait pas de police, je préfère Montréal-Québec en une heure et quart. Sans façon, je m'ajoute pas un char de ce prix-là pour me tuer. Non, c'est vrai, je l'ai fait avec la mienne. À part le ticket de 500$ puis les 9 points de démérite, pas grand-chose à dire, sa tenue de route. Puis c'est un bon prix, là, que tu me fais, là. Michel, regarde-moi la face. Penses-tu que je fourrais un chum? Non, c'est sûr. Ça te prend 4 nœuds d'hiver pour te convaincre que je t'ai mis dans la valise, tout de suite. Dans la vie, mon petit gars, on n'a jamais rien pour rien. Puis, hein? Ah, oui, oui, t'as raison. Belles choses pour les hommes. Oh, oui, oui, je pense que je vais revenir. Oui, moi aussi, je pense que j'ai vu des belles choses pour Benoît. Oui. Oui, puis c'est abordable. Oui. Quelque chose qui va pas, Camille? Hey, ça te dérange-tu si on va au lavoto? Jean-Paul veut que j'y aille. Oh, non! Hey, ça a l'air que le requin est encore fin! Toujours à la meilleure table, René. Arrive de bonne heure, Daniel. C'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai des clients, moi. Hey, j'ai entendu parler de ton dernier procès. Tant bien, j'espère. Change pas, hein? Toujours aussi raide. Un homme qui laisse sa famille avec pas une scène, c'est parce qu'il n'y a pas de morale. Il a juste eu ce qu'il méritait. Dieu pareil. Tu te poseras la question. T'es peut-être de la même race que lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu y vas pas par quatre chemins. Quand tu veux quelque chose, ça passe par là, puis ben ça... Ça m'impressionne. Quand il dit cire chaude, penses-tu vraiment que la cire est chaude? Ça fait un an que je me cherche une ceinture comme ça. Il va juste me manquer une paire de souliers pour aller à la tête. Hein? Ça va, Camille? T'es chaud, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens? Tu viens? Je peux faire quelque chose? Est-ce que ça va, Camille? Ça va pas? Ah! Il faut que je sorte! Quoi? Faut que je sorte! Mais voyons, tu peux pas! Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas! Qu'est-ce que tu fais là, Camille? Tu peux pas! Au secours, quelqu'un! Mon Dieu! Mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Mais voyons! Très honnête, disons que la précision compense la distance. Hey, tu savais de ça que c'est dans ta nouvelle maison que le juge Tremblay s'est fait tuer? Ah oui, oui. Une fille qui est arrivée en plein milieu de la nuit à me donner avec un couteau, puis schlac, est partie avec le pénis du juge. Elle s'était fait violer, puis le juge avait laissé aller le gars. Ça a l'air que depuis ce temps-là, la maison est hantée. Ben,
juste des rumeurs. Ah ouais. Ah, oh, je suis pas si pertinieux. Ben anyway, là, le pire qui peut arriver, c'est de voir un pénis se promener dans la maison pendant la nuit. Wow! 250 verges minimum. Ouais, la barre est haute, mon Jean-Paul. Tantôt, mon Laurent. Hein? La barre est haute, monsieur. Oui. C'est un bâton neuf, ça, là? Ouais, titanium. Ça vient de l'Allemagne. OK, toi. Oh! Ça y est, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça voyage bien du titanium, là. Doit avoir un défaut de fabrication. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Ouais, mais niaise pas avec ça, chose, hein? Il faut que tu poursuives la compagnie. T'aurais pu tuer quelqu'un? Alors, ben, trop de troubles, là. Eh non, non, t'as rien à faire. Je connais un avocat qui va tout faire pour toi. Bon, non, si j'ai un avocat, on demandera à Daniel. Non, je pense pas qu'elle prenne des causes comme ça. Pas de niaisage. Je te mets en contact avec lui demain matin. Ouais, super, super. Je changerai pas mon nom pour Tiger Woods de suite. T'as-tu pas de verre? Moi, je vais frapper une coupe de balle. La misère avec mon swing. Bon, ben, à la prochaine. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je t'ai acheté des livres. Tu les regardes pas? Merci. J'ai encore eu une crise de panique. En plein milieu d'un lave-auto. Ah. C'est ça l'odeur de savon. T'es rendu que j'ai peur de sortir parce que... ça peut m'arriver n'importe quand. Tu dors pas assez, c'est juste ça. C'est pas juste ça, tu sais. Camille... ça va faire 5 ans que c'est arrivé. Aussi mal dans ce cas-là. J'ai l'impression qu'un jour, ça va tout sortir d'un coup. Je vais le crier à tout le monde. C'est pas beau, ça? Comme cadeau de bienvenue? C'est tout un moyen de me sortir de là. Arrête donc, t'as tu comprends pas, je t'emmerde! Si je fais ça accompagner, tout le monde va savoir que mes bâtons viennent pas d'Allemagne, mais chez Walmart. Qu'est-ce que t'avais à lui dire ça aussi? Ben, c'est sorti de même, là. Tu voulais te vanter encore, c'est ça? Vente-toi donc sur des vérités, tu vas avoir moins de surprises après. Sacrifice! C'est pas tombé loin, ça, là? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Monsieur Moreau s'est fait frapper par la foudre hier. Aïe aïe! Il a rien vu venir. Ben dang, direct dessus, ça a l'air qu'il est mort sur le coup, peu un poil sur le coco. Le voisin se fait tuer, puis toi, ça te fait sourire. Ah non, mais c'est plate pour lui. C'est plate pour lui, mais c'est surtout plate pour sa famille. N'empêche que je viens de régler mon problème de bâton de golf, moi. Il y a des choses à grignoter, là. Oui, merci.
On a bien fait de pas annuler, hein? Je comprends qu'il est mort, là, mais 700 pièces de bouffe et d'alcool pour rien, ça aurait été plate. Ben, franchement. Oui, mais c'est vrai, on les connaissait pas vraiment. Crevette, quelqu'un? Un petit rayon de soleil, puis ça peut me donner la migraine. Ah oui, mais là, on est à l'ombre, tu peux enlever tes lunettes. J'ai mon temps pour prendre de chance. Ah oui, ça va bien? Ben oui, je prendrai un petit verre, moi. Merci. Non. Oui. Merci. Puis, est-ce que ça va mieux? Je pense que oui. Je m'excuse. Je sais pas ce qui m'a pris. L'auto était correct. Oh, juste un peu d'eau en dedans, mais... Ah, ben, s'il faut payer quelque chose, c'est juste à me dire. Voyons, pas nécessaire. Te connaissant, tu dois l'avoir dit à tout le monde. Ben non, voyons. Ouais, c'est pas drôle pareil partir de même. Je suis pas un expert, mais... savoir un coup de tonnerre sur la tête, tu dois filer de Tylenol après. Ah, c'est sûr. Ça va-tu, ça? Hey, là, ça va mieux. Je peux-tu te parler deux minutes? Ouais. Ouais, chez nous, c'est plus intime. Tu trouves pas que... c'est comme un genre d'oasis de paix? De paix, je sais pas si c'est le bon mot. Hein? En tout cas, moi... quand j'ai trop de stress, je viens ici, puis ça me détend. Toi aussi, un petit safari au Kenya ou en Argentine, ça te ferait du bien de temps en temps. Je suis pas chasseur, là. Ah non. C'est de valeur. Bien de valeur. T'as déjà mangé ça, toi, de l'ours blanc? Non, je pense pas que ça a donné, non. Ça a pas donné ou t'es certain? Ben, je suis certain, j'ai jamais mangé d'ours blanc. Je pensais pas qu'on pouvait chasser de l'ours blanc. J'en ai un dans le congélateur. Je t'en donnerai un morceau, si tu veux. Tiens, goûte à ça. C'est du cognac qui est plus vieux que toi, ça. Hein? Écoute, si je t'ai demandé de venir ici, c'est pas pour te montrer des têtes empaillées. En fait, j'aurais un petit service à te demander. Quel genre de petit service? Je me cherche un porte-parole pour ma concession automobile. Genre que c'est lui qui ferait les pubs à télé, là. Je me suis dit que, comme tu devais connaître pas mal d'artistes avec tes apparitions à télé puis ton livre, là, je pensais que t'aurais pu peut-être me mettre en contact avec quelqu'un de connu, là, genre Brathwaite ou Meunier. Brathwaite, j'aimerais bien ça. Je vais regarder ça. Ouais, regarde comme faut. Tu sais, comme qu'on dit, un service en attire un autre. Grand, une party. Où est-ce que tu étais, toi? Nulle part, je te comprends. Oui, c'est bon. On commence à manquer de vin. Bon. Non, je vais acheter le téléphone. Oups. Ça va, j'ai fini. Oups. T'as pas fini? Fais pas un tour, je te ferai pas mal. Je pense que j'ai mis trop d'alcool dans le fond du Hey, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Tu trouves pas attirant, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais. Arrête, est-ce que la Christine par la fenêtre pendant qu'elle changeait? Hein?
C'est elle qui me l'a dit. Ah, regarde, là, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Toi, t'as déjà quelqu'un d'autre? Hey, bon, bon, bon. Lève-toi. Arrête, là. On s'en parlera quand tu seras plus... Tu devrais te mettre au péril, toi, un petit peu. Oh. Oui, oui. Bon, ça. Juste me demander, trouves-tu que Cathy devrait se faire liposuccer? C'est difficile à dire, ça, faire un examen. Non, mais dans le fond, on pourrait manger ce qu'elle veut, puis une fois par 6 mois, tu lui enlèves ça. T'sais? D'ailleurs, une question, qu'est-ce que vous faites avec la graisse que vous enlevez? Ça se recycle-tu, ça? D'après toi? Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est un secret, là, c'est correct. Là. Dire que cette petite bête-là, ça courait dans le champ il y a un mois. Tu sais que je pourrais t'avoir des billets pour le hockey, si tu veux. Hein? Je ne suis pas vraiment un amateur. Dommage. Ça va juste être prêt dans une dizaine de minutes. Tu peux aller voir d'autres mondes, si tu veux. Non, non, c'est correct. C'est bon. As-tu un GPS dans ton char, toi? Non. Pratique à maudit. Moi, avec ça, là, quand je suis perdu, je sais toujours où je suis. Oh, je pense qu'on vient d'en manquer une bonne, là, nous autres. Là. C'est quoi la joke, Harry? C'est quoi la joke? Elle est bonne. Mais c'est petit. Je peux pas rester longtemps. Faut que je retourne au salon. Je suis moutornette. Les calmants que tu m'avais passé. Tiens, c'est pour vous deux. Pour toi. Merci, il fallait pas. Je pense que je vais y aller. Ouais, comment ça a été un petit peu lourd, ça, là? Hein? Je pense que ça n'a pas été trop long. Hein? Ouais, je pense que j'ai vu des crevettes là-bas, moi. Ah, ben oui! C'est des bonnes crevettes. Quelle! Je pense que c'est un bon party. Oui, ça se voit un peu. Ça peut être quelque chose, pareil, hein, d'être sexologue, non? Oui, des fois, c'est un petit peu ordinaire, mais... Moi, je sais pas pourquoi, mais le sexe, ça m'a toujours fasciné. C'est comme ça, on va savoir pourquoi. D'ailleurs, tant qu'à t'avoir, là, j'aurais une petite question. Si ça te dérange pas, bien sûr. Non, ça va. Bien, j'ai une amie, quelqu'un que je connais, disons, là, qui a un peu de misère, côté lubrification. C'est assez fréquent, ça. Ça dépend de l'âge. C'est possible. Mais t'as jamais pensé à demander à Jean-Paul de prendre plus son temps? Oh mon Dieu, c'est toi! C'est très épais. Je suis direct sur moi. Il était à 150 pieds. J'ai parti à courir, j'ai eu le temps de manger des kilos tranquillement. Je le dis. Mais c'est vraiment un bel endroit. Ah oui. Vraiment. Ma place. Ça fait mal. Ma belle carrée. Je t'ai pas dit ça. Ça devrait marcher avec Brad White. Penses-tu qu'on pourrait l'inviter à souper? Ça doit, hein? Il doit manger comme tout le monde. Mmh.
Donnez-moi 10 pouettes. Ben, ma toune. Moi, je trouve que c'est une femme admirable. J'aimerais ça lui ressembler. Elle est sûre d'elle. Elle a deux beaux enfants. Une carrière. Tout ce que j'ai pas, finalement. Qui ça? Daniel. Tu m'écoutais même pas. Ben oui, je t'écoutais. La pauvre Nicole, elle pense que ça paraît pas qu'elle se fait remonter de partout. Elle doit avoir de la misère à se fermer les yeux quand elle dort. Tu sais que les poissons, ils dorment les yeux ouverts? D'où tu sors tout ça, toi? C'est par déduction, ils ont pas de paupières, fait ils peuvent pas les fermer. je commence à filer semi-ferme, là, moi, là. Ouais, moi aussi, j'ai le goût, mais je commence à avoir mal au cœur. Cathy a encore engraissé. Non, mais as-tu vu le cul? Ouais, oui, mais sûrement d'autres qualités, là. Ah, je suis fatigué, moi. Ouais, c'est bon. Je me regardais cet après-midi. Je trouve qu'on était le plus beau couple. Tu te trompes? Putain, on peut toucher le monde, ça. C'est peut-être un de mes clients. Ah, c'est toi. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler sur mon cellulaire, il me semble que c'était clair, ça. Non, je peux pas. Ben, t'as-tu vu là qu'il est? D'oreilles? Rien. Menteur! Je sais que t'as acheté le collier qui va avec! Hey, wow! Hein? Laisse-moi pardonner, là. Ne touche-moi pas. Regarde-toi, là. Regarde-toi, là. Tu paniques absolument pour rien. Oh, je sens.